La pêche de la carpe est une technique qui nous vient d'Angleterre. La passion et l'investissement dont font preuve ses adeptes démontrent que son succès n'est pas lié uniquement à un phénomène de mode. Tout a été repensé pour pêcher ce poisson puissant et combatif qu'est la carpe. Le matériel, les appâts, jusqu'aux abris pour passer la nuit dehors. Elle est à 150 mètres, là, à plus de 150 mètres. Tout en longueur, musclé. Ah, yeah, good. Sorry. Let's go. Donc en fait, on va la remettre à l'eau. C'est une carpe mâle. Yeah. Dans une période comme celle-ci, on peut dire bravo. Rien de tel pour connaître les nouveaux matériels que de se rendre à l'un des nombreux salons de pêche qui ont lieu en France. Un des plus complets et des plus sympathiques est celui de Chalon-sur-Saône, dans lequel on rencontre de nombreux amateurs et professionnels qui confrontent leurs connaissances halieutiques. Il y a aussi les futurs champions en herbe qui admirent autant les gros poissons que les magnifiques alignements de canne à pêche. Particularité de ce moulinet. Alors, ce moulinet est doté de la nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'il a un contrepoids qui est placé ici, sur la manivelle, qui lui garantit un équilibre parfait et aucune vibration. Gros avantage, vous lâchez le moulinet comme ça, il tourne, il ne vibre plus. Et tout le plaisir de sentir l'attaque du poisson dans le sion. Verrez l'an 2000, c'est des moulinets qui seront tous équipés de contrepoids. Ce moulinet-là, avec un frein micrométrique, permet d'épuiser un poisson beaucoup plus facilement. Voilà, quand le poisson est appliqué, il a du frein micrométrique. Donc on peut le régler à volonté. Ce que l'on ne peut pas faire sur certains moulinets qui ont un frein, disons, traditionnel et qui freinent par à-coups. Les pulsions d'une canne, pour faire la différence, disons, entre ces deux sions, une qui est en anneau céramique et l'autre qui est en anneau cycle. Ça, ce sont des anneaux SiC, donc en oxyde de silicium, qui facilitent, qui sont anti-friction, donc qui n'abîment pas le fil lors des lancers et facilitent la glisse du fil. Même quand il chauffe. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la répartition se fait au moment où le fil frictionne dans cet anneau, la répartition de la chaleur est uniforme dans l'anneau, ce qui évite une friction du fil, d'abîmer le fil et de facilite la glisse du fil pour des lancers beaucoup plus longs. Et l'autre, alors là. Là, ce sont des anneaux céramiques. Alors, la différence, c'est celui-là. Alors, la différence, si vous voulez, les anneaux SiC ont une facilité de glisse et sont anti-friction. Et ceux-ci sont des anneaux ordinaires, donc qui sont en céramique et qui n'ont pas cette glisse qu'ont ces anneaux performants. Alors, ça, c'est un bateau qui permet d'emporter l'amorçage sur un coup à carpe. Alors on met des bouillettes à l'intérieur ou des boules d'amorce et on envoie ça à plus de 100 mètres. Quand on arrive sur le coup, il suffit de presser ce bouton, bon, bien sûr, qui va ouvrir les deux volets et qui va automatiquement envoyer les bouillettes de chaque côté du bateau sur le fond. Donc ça, c'est très très pratique pour amorcer très loin. On peut aussi emmener. Il suffit de mettre les lignes avec les bouillettes, les hameçons léchés dans chaque compartiment, d'envoyer le bateau à plus de 100 mètres. Ça évite d'envoyer, quand on n'a pas de canne performante ou qu'on veut aller au-delà des cannes performantes qui vont jusqu'à 120 ou 130 mètres, on peut envoyer ça à 150 mètres. Pour pêcher dans des endroits où les carpes sont inaccessibles du bord.
Jean-Marc Le Breton est un carpiste beaucoup plus connu que moi parce qu'il a des résultats qui sont beaucoup plus importants. Et selon l'importance des résultats, ben évidemment, les gens deviennent un petit peu plus connus dans le milieu de la pêche. Il faut savoir, de toute façon, la taille des poissons importe peu. La taille des poissons importe peu, de toute façon. Il faut savoir qu'un gros poisson, on ne peut le faire que dans un secteur où ces gros poissons sont présents. Donc il faut absolument démystifier cette idée de bon pêcheur en fonction du nombre de gros poissons. Les gros poissons sont accessibles à tout le monde à partir du moment où les gens prennent le temps et la possibilité et de chercher et de se déplacer. C'est comme chez le pâtissier, on fait sa pâte et on roule. Les bouillettes sont terminées, belles, rondes, comestibles pour l'homme ou le poisson. Au point de vue de la carpe, la charte de la carpe, pour nous c'est le no-kill, c'est-à-dire remettre le poisson à l'ordre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire tapis de réception, hameçon si possible sans ardillon, tresse très fine pour que ça puisse casser, les plombs, des plombs spéciaux qui éjectent au besoin, qui se coincent dans les pierres pour que la carpe se libère. Notre souci premier c'est d'abord un peu l'écologie propre de la pêche à la carpe. Parce que nous sommes avant tout, si vous voulez, des industriels, aromatique pour toute l'industrie alimentaire et nous nous sommes intéressés aux loisirs et plus particulièrement à la pêche à la carpe. On le trouve en magasin. Hein. Sous le nom de Fish Arôme. Sous le nom de Fish Arôme pour les arômes et de Fish Color pour les colorants. Et les colorants sont puissants et attirent aussi les poissons. Les colorants sont puissants et attirent aussi les poissons. Quelle est la couleur qui vous semble particulièrement attirer le poisson? L'orange et le rouge. L'orange et le rouge. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça fait un voile de couleur dans l'eau? Ça fait un voile de couleur dans l'eau. Ça une dispersion, une coloration qui change un petit peu le milieu, si vous voulez. Alors ça, c'est très nouveau, ça. C'est très nouveau, ça, oui. On met de la couleur dans l'eau. On met de la couleur dans l'eau, c'est ça. C'est insensé, non? On ne met pas de produits chimiques dans l'eau? Ah ben, de toute façon, ce sont des produits qui sont employés en industrie alimentaire, de toute manière. Ce sont exactement les mêmes produits. Oui, monsieur. Alors, ces flacons contiennent des arômes qui servent à quoi exactement? Ça sert à donner du goût et de l'odeur à les bouillettes. Il y a un arôme hyposoluble et un arôme hydrosoluble. Chaque champion a ses recettes et secrets pour mieux capturer la carpe. Certains, comme Léon ou Gundischke, ont écrit des livres qui sont autant de bibles du pêcheur que de récits passionnants de prises exceptionnelles. On trouve aussi de nombreuses revues qui s'adressent à tous les passionnés de carpe. Chacun présente ses meilleurs professionnels et leurs trucs, notamment les Anglais et les Français. Hutchinson, c'est le dieu de la pêche de la carpe. Il est une référence dans l'Europe entière et son fair-play et sa gentillesse n'ont d'égal que son talent. Malcolm Roberts, il a un sens inné de l'eau. Xavier Paolozzi, journaliste halieutique, il est un testeur de matériel hors pair. Il sera notre conseiller technique durant ce film. Léon Ogendischke est un specimen hunter. Sa passion, c'est la traque des gros poissons. Il compte à son actif un record européen pour la carpe commune, 32 kilos. Grand tacticien, Léon élabore des cannes à pêche très techniques. C'est un champion de la pêche de nuit. Rod, Malcolm, Léon et Xavier se sont donné rendez-vous dans un petit étang en Bourgogne. Hélas, nous sommes en pleine période de frais. La partie de pêche s'annonce difficile. Mais l'important, c'est que les quatre amis soient réunis pour la même cause, la passion de la carpe. Did you see any carp activity during the day? No. No, not at all. No, none whatsoever, only in that lake. Not until we catch a fish. Rod Hutchinson se confie à nous. C'est un moment rare. I started carp fishing when I was 16 years old, which is a long time ago, because I'm 52 now, so
I think that's 37 years ago, something like that. But I'd fish from being a very small boy, for being the age of 5 or 6, and I'd fish for all sorts of species, everything. Then I found a small lake one day, small Aitang, and I went to fish it for tench, and it was just one of those things. A big carp swam past me float, and it became a kind of a bit of an obsession. I thought, oh, I want to try and catch that fish. And I never expected it to last this long, but I still enjoy it. And I must admit, as I get older, I do prefer now going for the really big fish. It adds an extra dimension to it if you're fishing a lake where, you know, there's 30 kilo fish or something like that, you know, because they're absolute monsters. There's one thing at the moment which could just maybe hold things back, and that is been very hot the last 2 days, and the carp are on the point of spawning. They can go 2 or 3 days without feeding when they've, you know, got the spawning mentality on. The fish are certainly ready to spawn, which probably explains why they aren't feeding in the day at the moment. Que la Bourgogne est belle quand elle repose sous le soleil qui fait mûrir ses meilleurs raisins, en cette année exceptionnelle. Sous le regard des bovins qui seront vendus à la grande foire de Saint-Christophe en Brionnais, qui date du XVe siècle. Nous sommes dans le pays des châteaux, des abbayes, des prieurés et du temple des mille Bouddhas, vers Paray-le-Monial, Angile-Duc, Digoine, Percy-les-Forges ou Toulon-sur-Arroux. Mais pour nos quatre pêcheurs, le grand intérêt, c'est les lacs, rivières ou étangs qui sont présents dans le Brionnais, et notamment l'étang de Jean-Guy, qui, grâce à sa bonne gestion, permet de maintenir de belles carpes dans ses eaux. Cet étang recèle de nombreux poissons. Cependant, à cette époque, les carpes semblent plus préoccupées par la fraie que par les appâts. Heureusement, l'accueil chaleureux et le cadre fantastique nous permettent malgré tout de passer des moments formidables. Et puis, lorsqu'on a la chance de pêcher en compagnie de Rod Hutchinson et de Léon Hogendijk, on a tant de choses à apprendre d'un point de vue technique que les prix sont accessoires. Malgré tout, les poissons seront quand même là. En attendant, les quatre pêcheurs discutent de la tactique à adopter. Yeah, to try to have the biggest, because if, like in the river Seine, yeah, you have a lot of carp, and you have to, yeah. But there are big carp. The biggest here is a common one, more than 20 kilo. It's a common. You have some beautiful fully scaled too. Yeah. I've seen on the pictures about 15 kilo. But very beautiful. Yeah. On each size, they are very beautiful scaled. Chacun fourbit ses armes pour tenter de trouver un endroit approprié à son style de pêche et répondant à son sens de l'eau ou à son intuition. On s'installe de jour, mais c'est le soir et la nuit qui semblent les plus appropriés à une bonne pêche. Qu'est-ce que vous faites là? Non. Je monte des bouillettes sur le cheval. C'est des bouillettes à la pêche, sucrées. Et puis, ce sont des bouillettes qui sont assez dures, qui résistent à des attaques des petits poissons. Et avec lesquelles on a effectué un amorçage hier soir au milieu du lac. Et donc, on va laisser pêcher quelques cannes sur cet amorçage pendant 24 heures.
dans l'espoir de toucher une belle carpe. Voilà. Pour l'instant, rien de compliqué. Un montage assez standard. On pêche avec des bouillettes sur le fond. Avec une olive de combien de grammes à peu près? Ça, oui. Ça pèse à peu près 100 grammes. D'accord. Donc et ça touche le fond. Oui. Donc ça nous permet de lancer à des distances déjà supérieures à 100 mètres. Je règle la tension du débrayage. Donc quand il y a une touche, la carpe est tirée sur le fil. La bobine tourne. Les fils sont tendus avec des swingers, des poids qui sont pendus dans le fil et qui se libèrent donc automatiquement pendant le ferrage. Je vais te voir, on peut le libérer là. Tac. Ah oui, là c'est vrai. Voilà, donc on peut ajuster le poids suivant la force du courant ou le vent. Quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de courant, on pousse le poids vers l'arrière et ça fait plus de tension sur le fil. On met combien à l'eau comme ça? 4 cannes? Ouais. D'accord. Vous n'avez pas amorcé beaucoup, hein? Non, non. Alors, au début de soirée, on fera bouillette flottante. Ouais, parce qu'hier soir, donc, j'ai vu que les poissons évoluent beaucoup entre deux heures, voire même en surface. Que s'il y a un peu de vent dans la nuit, c'est bon, elles vont se nourrir sur les fonds. Mais s'il n'y a pas de vent, il fait encore lourd comme hier soir, elle évolue un peu à toutes les hauteurs. Et puis je vais donc présenter une ou deux éches à mi-hauteur. Donc dès qu'une carpe prend la pas et se rapproche, ben, le balançoire descend et ça fait donc un signal sonore. Ou dans le sens contraire, quand la carpe la bobine tourne, libère du fil. Le balançoire garde le fil sous tension. Un indicateur nous avertit donc avec un signal sonore. Donc ça c'est un stick cobra. C'est pour amorcer des bouillettes à grande distance. Donc ça permet d'amorcer des bouillettes de 20 mm à plus de 100 mètres de distance. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Ah oui, d'accord. Vous dites que vous allez avec les bouillettes jusqu'au piquet noir, mais c'est une distance folle là-bas. Là. Là, je vais essayer de visser directement sur le piquet. Plus de 120 mètres. Donc ce sont différentes graines. Il y a du chènevis, il y a du maïs, il y a des pois. Ils sont cuites, donc on va amorcer un peu avec ça ce soir et demain matin dans un endroit un peu profond près du bordure. Et demain matin on va essayer de prendre des carpes donc avec une canne en pêchant au flotteur sur ces amorçages. Le problème avec les graines c'est que ce n'est pas très sélectif et puis on prend pas seulement des carpes, on prend des tanches, des brèmes, des gardons. On peut prendre un peu tout avec ça. Alors que les bouillettes sont quand même plus sélectives. En fait, c'est ça la pêche à la carpe, c'est l'attente. Bah, disons, là pour l'instant, on pratique une pêche statique. Donc, c'est souvent d'une extrémité à une autre. Parfois, on attend 1, 2, 3 jours. Pour avoir les premières touches, mais une fois que ça se déclenche, ça peut être la folie. Il m'est arrivé
d'avoir des touches tous les 20 minutes, tous les demi-heures, pendant toute une nuit. Voilà, c'est pas bien reposant. On est tout le temps en train de faire quelque chose, de comporter les poissons, de les décrocher, de les relâcher, de relancer les cannes. Ça devient déjà plus physique. The fact that the success of the boilers is now something established. Yeah. I think is that the boilers can be the size you want, the flavor you want. Yeah. Maybe the mix you will use. You can be selective, not just in keeping other species off. You can go larger and larger with your boilers. And keep small carp off. You know, if you use large boilers all the time, the average size of the fish you catch will be much bigger. Because they deter the smaller carp. And now we have something different with the pellets too. Yeah, well, I think what you're trying to do, the pellet's been breaking down very quickly. They are emitting the flavour out into the water, and they get the carp in much closer. They get the carp in quicker onto the bait. The other thing, I don't think the pellets, when they break down, particularly on, say, the lakes which get fished quite heavily, you know, there's times on there where carp are quite cautious of the boilies and are only... You might only catch when the carp are really feeding hard, but at other times they'll be feeding but not going crazy. Where the pellets don't, there's no fear, there's no caution to them. Mm-hmm. And I think, like the other thing you said, maize is always maize. Now this has got maize, tiger nuts, maple peas, hemp seed, all in there, all cooked, all ground together. But it's a fine powder. Yeah. So they're getting the taste, which attracts them and all that, but there's nothing, because it breaks down to such fine particles, there's nothing which the fish can associate with it to, you know, create caution in the fish. These keep fish in an area for a long time. It breaks down to such a fine powder, they go through the mud. This is probably the new effective bait for you. Yeah. On your mind. After the boilies in carp. In carp fishing after the boilies. Yeah, you can fish the boilie just on the top of it. But the beauty of this approach is it keeps carp in the area for a very long time. Yes. But concerning the progression in bait, because we spoke a lot of new thing, new flavor, new additive, new appetite stimulator, but on my mind it's nothing, because it's always something that you add in a boilies. Yeah. Exist, but it's the new bait, which can be very interesting for some waters. Yeah, I think it works nearly everywhere. It does too. It works on another level as well. That, I mean, we were using these last year. And we were fishing for small fish, for another type of, for crucian carp, a small carp we have in England. And they feed, and in any lake where you've got carp is the king of the jungle. It's not a predator, but he's at the top of the pyramid. Yeah. The other fish are underneath him. Now this sort of thing is likely, and it does happen, these will get roach feeding, will get tench feeding. But carp pick up the vibrations of other fish feeding. Yeah. So, you know, you might put these out in the beginning and first of all the small fish will come in. Yeah. But the carp will feel, carp will sense. The second way of its attraction. Yeah.
other fish attract the carp in. Mm. So, and when the carp come in, the other fish go. Yeah. And concerning the returning to the boilies, do you think that some flavor are better than other one? For me, Scopex chocolate malt. I mean, this one is terrible. This has been one of the most, monster crab has been one of the most effective flavors there is for me, for me friends. It smells atrocious, you know, and it's antisocial. People don't like coming near monster crab, but the fish love it. Yeah. Generally, the fish flavors are instantly accepted by carp. But in France, you know that the French carp anglers hesitate sometimes to use some creamy flavor or fish flavor. They like some fruity or sweety flavor, like fruit frenzy or strawberry. The best one concerning the sale is the strawberry. I think strawberry is almost universally accepted. You know, everywhere where people fish for carp, the likes, you know, they use strawberry. One, it's quite social anyway. It's a nice smell. And two, carp, strawberry is a flavour that carp like. They do like all the most of the fruit flavours. So concerning the Scopex, because you spoke about the Scopex, you are the father of the Scopex. I invented it. Yeah. Could you explain me how do you find this flavor, which is maybe the most effective flavor in the world, because on each water, on each season, winter or summer, you are successful with the Scopex. Yeah. It was something I saw in autumn. I don't know if you see apple trees in the autumn, there's a specific time, one moment you've got all a tree full of apples, and in the space of like 2 days, all the apples are full of holes. Yeah. The wasps come. Yeah. And that's the moment when all the sugar in the apples, as the apple goes off, that's when it's turned into alcohol. Yeah. And it's that moment, and it is a specific chemical which is produced. And it obviously affected, you know, wasps and insects. That's why the certain, you know, they only attack fruits at a certain time. And they get quite drunk on it, you know, dopey, because it's turned into alcohol. And the scope, right, we thought this, let's take a substance that's just on the point of sugar turning into alcohol. Mm. And that's basically what Scopex is. And initially, most of the tests, instead of putting them in boilies, you just put a couple of drops of liquid, put a pipe down into the gravel, and blow some down. And they literally just used to tear the gravel up, looking for it. They were instantly, you know, attracted. They were looking for that food. I think the thing is, when you've got a range of them, different sizes, it's if you can't use a boat, and you've got to use them with a throwing stick or something like that, they'll all go out different distances. Mm. And people generally like to bait in tight areas. Mm. I personally don't. I like to spread my bait about a bit. I think if carp get a taste for the bait, that they'll search around the area looking for it. Let's talk about this particle, which is not well known in France, but very, very used in England. Yeah. It's the tiger nuts. Yeah. Well, the beauty of the tiger nut, unlike sweet corn, is tiger nut is generally carp selective. Yeah. You've really got to put literally thousands and millions in before other fish recognise them as food, but carp do, and it's very hard. You get terrific takes because you have to take them right to the back of the throat to crunch them up. Yeah. So, you know, like hard boilies. Mm-hmm. The one problem with
with taigonauts is it is essentially a summer bait. Yeah. Once it gets to about 13 centigrade, you can forget them. Where certainly sweetgarn will work in cold weather, and some of the small, types of bean will. I think it's because they're so tight, so compact, that very little that you need warm water for the flavour to get out of them. Yeah. That's why we soak them in. That's why you add some. Yeah, we add flavour to it. Mm. But once they get a taste for them, they love the taste of it. Yeah, because it's a little sweet. Yeah. Like a nut. Yeah. It's a little sweet. And and now for today, you will use them. Well, I say I'm going to use tigers on one rod. Yeah. I'm going to use big boilies on the other to try and get... Big fish? A bigger fish. Yeah. Yeah. Big boilies in conjunction with the pellets. So and we'll see what happens. I think. So, and the last one? The last one, just to guarantee a fish. Well, I know this because I caught some last night. It'll be sweetgarn and the other pellets. These. Yeah. It'll be sweetgarn in amongst these. And I guarantee they will catch fish. Guarantee a carp, yeah. Okay, Rod, so I will let you fishing and... When do we come round for a cold pass these? When you want. We have... So you have to come quickly, because after I don't guarantee you it will be cold. Yeah. Yes, but it's cooked. It's cooked maize, that's the difference. Works much more quickly than maize. And sweet corns, it's so good because it does taste better than maize. You know, it's a variety of maize, but much more sweeter. Very old technique, yeah. But I still think with sweet corn, it's better fish like this than the hare. Doesn't need to be on a hare. Can you see me float? No. Yeah, that's where I put it on a pellet. Actually, that's a bit long. And it's very humid, it's raining. I've got a friend in England, very, very intelligent man who's been studying carp for about 45 years. And he says he's done a study, wrote a big report, that the most important thing to get carp feeding is high humidity. Lots of water in the air when you're sweating. They are the best conditions. I think he's pretty near the mark, you know. I think there's a lot of truth in it. Because these are good conditions now. So if we don't catch, I don't know. Rod Hutchinson, le plus grand des champions, Léon Hogendijk, non moins célèbre, Malcolm et Xavier se préparent pour passer une nuit de pêche au bord de l'étang. Les poissons sont là, les hommes et la technique aussi. Tout est réuni pour de beaux combats. Mais la fraie n'est toujours pas terminée.
Cependant, l'espoir est toujours dans les cœurs et celui-ci sera récompensé, mais un peu plus tard. La nuit a été très calme. Aucun départ. Les carpes boutent toujours, effraient dans les herbiers du bord. La pêche s'annonce vraiment très difficile. Léon s'est levé de bonne heure pour observer les poissons. Rien ne laisse entrevoir une reprise de leur activité alimentaire. Il va falloir changer de tactique, en échant avec du maïs doux. Ouais, ça me va, pas quoi. Ça bouillonne partout. Ça doit être le même poupon qui était dans le fond. Pas facile les réveils musculaires sous la fraîcheur de la rosée. Xavier et Léon sont déçus. Mais un petit son interpelle Xavier. Ah. Ça, ça a l'air d'être bon. Hein. Une touche de retour, c'est-à-dire que c'est une carte qui revient. Ouais. Elle revenait sur le vol. Elle revient très vite. Ça sert pratique pour tout seul alors. Oh bah oui, parce qu'on utilise un plomb fixe, c'est-à-dire qu'au moindre mouvement, elle se ferre sur l'inertie du plomb. Elle n'a pas de bien grosse, non ? Non. Là j'ai un fil très fin, j'ai une canne très fine, donc. C'est un fil de combien de centièmes ? 28 centièmes. C'est quelque chose qui a une résistance d'environ 4 kilos. Les petits étangs comme ça, ça suffit. Il vaut mieux faire travailler la canne. Vous n'avez pas besoin d'épuisette pour un petit poisson comme celui-là. Non. C'est quoi, 2-3 livres? Un peu plus, peut-être? Il va faire peut-être un petit peu plus, mais il ne fait pas plus de 5 livres. Voilà. Belle carpe. Un beau carpeau. Qui nous présente sa nageoire. Avec une belle rangée d'écailles sur le dessus, là. Donc on voit, grâce à la couleur ici orangée, que c'est un poisson qui se nourrit d'écrevisses, entre autres. Donc l'avantage du montage aux cheveux, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est un montage qui pique toujours dans l'anneau buccal. C'est pour ça que, premièrement, il est beaucoup plus sûr. Deuxièmement, il n'abîme pas la carpe, parce qu'ici c'est très dur et trimpa. Donc les montages traditionnels, avant, on la piquait dans la bouche. Là, ça déchirait les cavités à l'intérieur. Elle n'a pas été abîmée du tout. En fait. Pas du tout, on voit. Rien du tout, elle va repartir sans dégâts. Allez, ma belle. Je sens. Non, il ne devrait pas y avoir grand problème. Voilà. Hop. Hello, Molly. Good morning. How are you? Okay. Did you have a good night? About 2:30 in the morning. Yeah. Big boilie. With a big boilie? Yes. Monster crab. Ah, so it's interesting. Yes, it's full of spawn, female. Ah, okay. So that's why they hesitate to feed. Yeah. So it was a good fight? No? Not too bad. Not too bad. Fought a bit when I got it in the end. Ah yeah, very fat, very a balloon, an half moon. An half moon. Ah, gros. Pellets. Ah yeah. Sure. Red on the. T'as vu cette couleur superbe?
Okay. 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 So you can release. As we said in French, bravo. So explain me, which was the baits you used for this? 22 mil monster crab. Okay, yeah. So big. Yeah. And I baited with 18 mil okay. monster crab and Formula Magic pellets. Okay, some pellets. Yes. About three and a half meters from the bank. So very close to the bank. Yes. That look death now. I've got it to a howl here. Yeah. Do it here. Small pieces. Tend to come off easier. So we can do it. Hang on. How many? Yeah, it's not too good. Well, that's my car. Is it out? That right in the corner. Is the form? No, tagging it. Tagging it. Il a pêché avec les noix tigrées qu'il a préparées hier devant nous. Donc, à pas très efficace. Ouais. En général, ça met un jour ou deux à vraiment être très attractif. Mais une fois que c'est parti, c'est bien au-delà du maïs doux. Tu vois, c'est pour ça qu'elles sont en train de crier là, tu vois. Fine. Very good. The scale on the... I think we should put it back now. Il est au même endroit, Xavier. Au même endroit, puisque c'est en fait un endroit qui semble propice, puisqu'il avait remarqué des carpes hier soir qui marchounaient. Et le peu d'activité qu'il a remarqué, c'était à cet endroit, donc il a remis exactement au même endroit. Moi j'ai une vieille drainane, ça sera mon professeur anglais. Je ne sais pas que ça. Le problème c'est que les carpes sont au point de frayer. Bon, c'est sûr que sur la quantité de poissons qu'il y a. But on the positive side, mais il est optimiste. The next fish can always be a big one. Yeah, ouais. Yeah. Or a smaller one. Yeah. Yes, sir. I mean yesterday. You know, it was all on the bank and things like that. And it was obvious last night that the fish had moved away from us all because they were all over that bank. We could see them in the binoculars. That's why we saw Marley going dancing in front of us. We thought that he's drunk. Yeah. Marley is drunk. He's, he's dancing.
Zero to the rule. 4-4. 1. England's not on the network, is it? Zero to the rule. Léon a laissé le groupe pour s'en aller repérer un autre lac du domaine public. Par chance, l'affray est terminé. Léon va amorcer massivement en attendant l'arrivée de Xavier, tout en espérant secrètement capturer une carpe avant l'arrivée de celui-ci. D'autres pêcheurs sont déjà en place. Ici, c'est un lac avec une faible densité de carpes. Il n'y a pas beaucoup de poissons, mais d'une taille intéressante. Il y a des poissons jusqu'à environ 25 kg. Donc des carpes communes, sauvages. Elles sont toutes en longueur. Elles n'ont pas tellement de ventre. Ce sont des poissons très musclés, très combatifs. Et les quelques mètres qui vivent dans ce lac sont plus rondes, moins combatifs, mais plus lourdes. On pourra peut-être avoir des touches à partir de quelle heure? À partir de 9h30, 10h. Il est quelle heure là? C'est 7h. Bon, là je vais mettre des bouillettes un peu plus à droite et pas trop loin. Et puis demain matin, je vais mettre une canne là. La profondeur est à environ 4 mètres là. Puis parfois on a des touches là, le matin. Là, c'est des bouillettes différentes, là. Oui, j'ai mélangé. Tout à l'heure, j'ai mis des petites bouillettes au Scopex. Et ceux-là sont parfumés à la pêche. Donc, la profondeur dans ce lac est un peu particulière parce que... Donc, il y a un chenal avec une profondeur d'environ 4-5 mètres ici devant, à 30-40 mètres du bord. Et au milieu du lac, il y a un autre fond. Et il y a environ 1 mètre d'eau et beaucoup d'herbes. Et durant la nuit, toutes les écrevisses remontent sous la pente, sous le haut de fond. Puis après, les carpes suivent pour se nourrir des écrevisses. C'est une bouillette à la pêche. Ouais. Ouais. Elle a été attaquée par des écrevisses. Là, il faut danser combien de mètres à peu près ? 110 mètres à peu près. Là, on tend le fil tout doucement, parce qu'il ne faut pas trop tirer sous le plomb,
pour une raison bien précise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'herbes qui poussent sur le fond. Et quand on tire sur le plomb et que le montage se déplace, ben l'âme s'accroche donc dans les herbes et puis ça pêche plus. Elles sont toutes lancées à la même hauteur. Ça varie entre 90 et 120 mètres. C'est là combien de mètres? À peu près 110-115 mètres, j'estime. Donc ça, c'est parti pour la nuit, là. Ouais. Maintenant, je vais amorcer un peu autour. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre. Ouais. Je n'ai pas le fil qu'elle prend. Ah oui, c'est sérieux là. On est très loin. Hein. T'as vu comment où elle est là? Ouais, la force. Wow. Elle est à 150 mètres là, à plus de 150 mètres. Ça a l'air d'être un sacré morceau là. Ouais, hein? Ça va être joli là. Attends, elle n'est pas encore là. Pour les ramener, ça ne va pas être évident. Toutes les herbes là. Tu vois, elle va partir vers la droite. Donc moi je vais la suivre là, pour que quelqu'un m'apporte les pigettes là-bas. Ok. Carpe commune sauvage. Un poisson très puissant, très long. Presque combien environ? Environ 13 kilos.
tout en longueur, musclé, un vrai torpedo. Qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, on va la remettre à l'eau. Ok. Ah, ça y est, elle est partie là. Rod Hutchinson pense avoir trouvé la technique pour réussir malgré la difficulté afin que les carpes mordent. Le truc est simple, il faut amorcer en bordure avec des produits de sa fabrication et pêcher à la noix tigrée. Cela semble être la bonne solution. Rod s'était assoupi quelques minutes. Il nous montre le résultat de sa pêche. Good morning, Rod. Tired. Ah, tired, okay. Are we in the right place? Because the fish are all up there. Les poissons sont là-bas, Claude. Ah, okay. With tiger nuts, too. Yeah, I had two on tiger nuts and one on boil. Elles sont toutes pareilles. Non, il y a donc là une qui est un petit peu plus ronde et qui est très belle couleur. C'est laquelle? Celle-ci. Les autres seront des mâles un peu plus longs. Yeah. Time to return. Ok. Longer. Yeah, I thought it was a leather, but these are male carp. I'm putting the straight back is a little late. Attends, bouge pas. Tiger Nuts, qu'elle a rejeté, c'est ce qu'elle a mangé, ça. Dans le sac, c'est ce qu'elle a, elle a rejeté, en fait, c'est ce qu'elle a déféqué dans le sac. Ça veut dire qu'elle était bien sur l'amorce à Rod. Tiger Nuts qu'elle a broyé et qu'elle a rejeté. Ça permet de savoir que celle-ci mangeait réellement, elle cherchait à manger. Ok. Donc en fait, on va la remettre à l'eau. C'est une carpe mâle qui est donc différente de l'autre parce qu'elle est plus longue. Presque une cuire, si elle n'avait pas ces grosses écailles comme ça. Presque une cuire. Et donc on voit ici donc des morceaux de tiger nuts qu'elle a rejeté dans le sac pendant la nuit. Oui, elle va sauter, donc on la remet à l'eau. Voilà. Ce sont des sacs de conservation qui permettent de garder les poissons vraiment sans stress ni sans détérioration. C'est aéré, ça laisse passer donc l'eau, l'oxygène, ça ne se colle pas sur le poisson, c'est très bien. Elle est belle celle-là, dis donc. Donc avec cette période de frais, on sait qu'on ne peut pas prendre des gros poissons. On est venu là surtout pour la technique. Mais c'est pas une question de prendre beaucoup de poissons, c'est une question surtout de prendre du poisson. Oui. Et l'objectif majeur est surtout de prendre du poisson quand c'est difficile, gros ou petit, quel qu'il soit. Là, c'est déjà un sacré challenge réussi par nos amis, parce qu'il faut savoir que les poissons sont préoccupés par autre chose que par la nourriture. Et ils cherchent plutôt à se reproduire. Donc réussir à séduire un poisson quel qu'il soit est déjà quelque chose de formidable. Et nos amis anglais nous ont montré leur maîtrise dans ce domaine-là. It was on the boil, isn't it? A monster crab. Voilà, donc une bouillette au poisson. So we will release slowly. Six poissons dans une période comme celle-ci.
On peut dire bravo. Bravo à Malcolm et à Rod qui ont pris du poisson dans des conditions impossibles grâce à leur connaissance unique du milieu halieutique. Bientôt, le week-end s'achève, toujours trop court, et on quittera nos amis anglais pour rejoindre plus tard Léon qui va faire de véritables miracles. Your name is associated with the bait, okay? But I know that you are involved in the development of carbon fiber for the road, but a lot of years before, no? Yes, yeah. There were a lot of problems at the beginning with carbon fiber in that it was, the rods were too stiff. They could always, right from the beginning, they could outcast other forms of rod. But the problem was it was so stiff that many times the rod would literally tear the hook from the mouth of the carp. And the whole thinking all the time, well, you know, this started in 1978 when we first, has always been to build the rod it plays the fish very well. It will cast. We've tried to create everything in one rod all the time. A rod which will cast. A universal rod. And that rod was the Spiralite. And the parabolic curve was always what we were trying to achieve. And then as the years went on, as new fibers came in each year, we tried to utilize them fibers into producing a better and better rod. Everything at the beginning, the materials we used were all byproducts of what was then the space industry. Mm-hmm. And from that evolved at the end the IMX rod, and which I think for True Action was as close as we could get to perfection in a fishing rod. And literally, that was, I mean, for us, it was a tremendous success story in that it was accepted all over Europe, and we even exported some to Australia. Yes. And America and everything. So. And now it began to be a great success for you, for your name with the road. And for, I've heard that you will follow your trip in France on a big lake. Yeah. So I think you will use this new model. Yeah. It's your new rod. Yeah. With a new fiber. Yeah, this is a Dream Maker rod, which superseded the IMX. There are certain forms of fashion in anything, and the slimmer blank is very popular. People look, they look nice, they feel nice, and the Dreammaker, it, like an IMX, it's a woven fiber. Yeah. And that allows you to, even in a very powerful rod, a woven fiber enables you to still keep the parabolic curve and the action and everything in. Ce qui est génial avec l'utilisation des tresses maintenant, c'est que l'on sent vraiment quand le plomb et le montage touchent le fond. C'est une sensation qu'on n'avait pas avec le nylon à très longue distance. And this is a 12-foot, 3-pound test curve. Again, the parabolic curve, because sometimes on the big lakes, as you know yourself, you'll go out in the boat to land a fish. Yeah. And it's very important there because... Oh! Yeah, good. Sorry. Let's go. Missed it. Come off. I should have let it go a bit maybe further. No, yeah. It picks up the baits. I knew it was going to go. Maybe we could be more lucky. Maybe I should have stood up. Donc, signale au passage que c'est sur une ligne qu'il a relancée ce matin après avoir remarqué des bulles qui passaient tout doucement. You are maybe the first English person
that enjoy fishing with braided line, because we have met a lot of anglers, British anglers, and there are a lot of disgust for braid because they feel they will hurt the fish. Well, they're not going to hurt the fish if you rig up correctly. If, you know, I've just cast out. Very important when you use this braided line, that behind your lead, everything which can come in contact with the fish, we protect it with a tube, mm-hmm. a hard tube which doesn't come through. Yeah. So all the fish ever gets alongside its body is a tube. But if you spend, I do work. I'm not a full-time angler, unfortunately. But if you spend literally weeks on one of the type of lakes we've spoken about to get in contact with a big fish, very few anglers have yet really to try braided lines. So there really shouldn't be any inbuilt grievances about them, other than the expense. I would just say to anybody, until you've hooked, played a fish on a braided line, you're missing an experience. Because the touch, the directness, gives you the right feeling. Yep. Mm-hmm. At 200 yards, because there's no stretch whatsoever, you can go like this with your fingers and you can feel your lead. And that response is something which you cannot get with monofill lines, which have the stretching. It is a whole new experience. And maybe we might need to learn how to use them. Yeah, they have characteristics which a nylon line doesn't have, like floating and things like that. But to me, that's a good thing. I like the way the line comes straight up in the water. It's just the terminal tackle at one end, and it's bumped direct to you, and you feel everything. You know, hook a fish at 150 meters, and you can feel his head going and his fins going. It's incredible response. Okay, Rod. It's come cooler. Yeah. Conditions are good. See you later, Rod. Yeah, okay. Xavier rejoint Léon pour pêcher sur le lac du domaine public. Ici, les carpes sont en pleine forme et ont déjà frayé. On va assister à une formidable partie de pêche. Les techniques à appliquer sont différentes de celles de l'étang du Brionnais, car il faut pêcher très loin du bord et les fonds sont chargés d'herbe. Je viens d'en relâcher une. Oh, ça sent les bonnes nouvelles. Une belle ? Superbe. À peu près 13 kilos. On va vite relancer la canne. L'amorçage se fait au rappel, c'est-à-dire que l'on relance quelques boulettes après chaque départ. L'activité étant nocturne, il convient de bien vérifier ses montages avant de relancer. La nuit est belle. D'autres pêcheurs sur la rive d'en face se réchauffent. Léon et Xavier préfèrent continuer de pêcher grâce à leur lampe frontale. La nuit, le moindre bruit est amplifié, même celui des détecteurs. Il faut être très discret et notamment éviter les bruits de pas sur la berge. Dans les arbres. Je les sens, les arbres. Ah, c'est fou, là. Faut qu'elle se libère tout seul.
Ça vient. Attends, elle est coincée là. Elle est coincée dans les herbes ? Ou dans un obstacle ou dans les herbes, je sais pas. En face, des amis pêcheurs relancent dans notre direction. Ils espèrent aussi des grosses carpes. Tous les pêcheurs sont, c'est de bonne guerre, des optimistes nés. Donc j'ai donné du mou pour voir si la carpe prend du fil. Elle prend du fil, mais ça fait très peur. Bon, on va essayer de reprendre contact là. Non, je vais desserrer un peu le frein parce que comme j'ai tiré très fort sur le poisson, il y a quand même un risque de décrochage. Donc il faut aller doucement maintenant. Apparemment, c'est pas un gros poisson. Ouais, les herbes là, fine. Une petite, heureusement. Parce que... quand même. Voilà. Voilà donc. Encore une carpe comme une mâle. On va les relâcher tout de suite. Hein. On va les faire entre 8 et 9 kilos. Voilà. Merci. C'est un super combat. Ouais. Vous voyez tous les herbes ? Donc. Ouais, il y en a partout des herbes là. Allez. Bon, on va vite changer l'èche. Ok. Voilà. Je vais faire l'autre aussi. Encore un départ, cette fois pour Xavier. Alors même doucement, parce que celle-là, elle était lancée loin. C'est de l'écarter des autres lignes, sinon c'est une bins. Pour l'instant elle vient facilement parce que elle n'a pas vu la lumière, donc ça la gêne pas. Et elle met des coups de tête. Elle est montée là. Encore une commune ? Ouais. Ouais. C'est la nuit des petites communes là. Ouais. Ça y est. Ça me fait débrouiller, je crois. Ah, joli. Vas-y. Bravo. Attends, je vais faire parce que c'est pas bon. Attention, l'épilette. Monte, monte. Ouais. C'est marrant parce que les deux camps qui sont partis étaient très proches l'un de l'autre.
and troupa. Voilà, tout en longueur aussi. Super. Bravo. Vous l'attrapez avec du combien de centièmes? 35 centièmes. 35 centièmes. Donc c'est des poissons qui sont tout en longueur très, très combatifs. Hein. C'est fait pour nager vite. Allez. Hop là. Ok. Allez ma cocotte. Marche arrière tout. Alors, confiant? Moi, ouais, confiant. Non, c'est 10h10. Les vents sont bénéfiques là parce qu'on les a. On les a quasiment presque de face, donc ils nous poussent les carpes sur le poste là. Il n'a pas changé en plus, donc c'est un vent régulier, c'est bien. C'est pas un vent qui tourne. Oui, il reste quand même dominant est. Hein. Je pense qu'on va faire des gros poissons. Il n'y a pas de raison. C'était nouvelle canne, ça? Ouais. Tu peux m'en parler un petit peu, parce que je t'ai vu pêcher avec, je t'ai vu lancer, mais... Bah, ce sont des cannes donc qui ont été spécialement développées pour des lancers à grande distance, avec seulement 6 anneaux Fujisek. Une blanque qui est extrêmement rapide, très nerveuse. Bon, c'est vrai, il faut prendre un peu l'habitude pour les manipuler, ces cannes, mais ça lance très 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 loin. Donc ici c'est parfait quoi, parce ouais, que... ici ce plan d'eau là, ici il faut lancer très loin pour pêcher sur le plateau qui se trouve au milieu du lac. Il faut ce type de canne là. Ouais. Mais là, ici, plus qu'on lance loin, plus qu'on a de chance de toucher du poisson. Allez, voilà, c'est parti. En dos. Hein? Trop rapide là. Commence à être notre spécialité les départs en direct. Hein. Ouais. L'autre fois avec Rod. Sur la gauche, ça va. Ouais, c'est bon, c'est bon. Pas qu'elle aille sur la droite. Non, c'est parfait. En face, c'est le calme plat. L'amorçage de Léon a été déterminant. Un autre départ,
plus lent, mais plus puissant. Ce n'est pas un départ de carpe commune. C'est pareil, non? Je sais pas, c'est trop tôt, là. C'est celle de droite, ça. Ouais, il faut peut-être partir à droite, là. On est encore assez loin. Putain. T'as de ligne. Pas beaucoup. C'est une grosse, ça. Et on? Ouais, elle est plus belle que celle de tout à l'heure. On va le savoir. Moi, je dirais que... pas mal, je crois. Ouais. Sur le bord, on va le savoir. Ouais. Ça fait plus de 10 kilos, en tout cas. Non, pas. Je sais pas. C'est difficile à estimer, la nuit comme ça. Ça sent correct. Ah, c'est plus beau que tout à l'heure. Ouais, superbe. Fabuleux. Ah oui, un gros poisson. Tiens. Qu'est-ce que... c'est quoi? Comme carpe? C'est une carpe miroir style italien. Elle est toute en rondeur. Moins 1 kilo pour le tapis. Sac. Donc ça fait 19 kilos tout rond. Voilà. Superbe. Voilà. On va la remettre à l'eau. Le morceau, ouais. Fabuleux. On a fait Delphine. Et c'est dû à quoi ça? Parce que c'est une carpe qu'on connaît. Ouais. La première fois que je l'ai prise, cette carpe. Elle pesait seulement 19 livres, il y a quelques années. Et aujourd'hui, elle fait le double. Entre chaque touche, un rare moment de repos, bien mérité pour les deux champions. Mais il faut demeurer sur ses gardes. Au petit matin, Léon nous présente une carpe prise à 4 heures cette nuit. Un tout petit peu plus de 42 livres. Léon, cette nuit-là, est demeuré le grand champion que nous admirons en battant le record de ce lac. Regardez-le porter son trésor.
une carpe cuir de 42 livres. Après ces moments d'émotion, il est temps en fait pour nous de relancer nos montages parce que la nuit a été quand même très, très agitée. Et il va falloir se remettre en position pour aborder la prochaine nuit, car dans cet étang-ci, l'activité des poissons situe surtout la nuit. Pour cela, je vais refaire donc tous mes montages, les relancer. La particularité de cet étang est qu'il est envahi d'herbes. Les herbes sont quelque chose de très embêtant pour le pêcheur parce qu'en général, il emmêle tous les montages. Nous avons trouvé une petite technique qui nous permet de proposer aux poissons un appât très bien présenté juste au-dessus de l'herbe pour enfin pouvoir le séduire. La petite technique qui nous permet d'éviter les désagréments de l'herbe, elle est très simple. Avec un bout de liège que j'ai récupéré sur un bouchon de bouteille quelconque, je passe à l'intérieur un bout de fil soluble. Donc c'est le fil qui va fondre à son immersion. Je le pique dans l'hameçon. Voilà, je le coince contre l'hameçon. Vous allez comprendre en fait ma démarche. Une fois que l'on propulse le montage dans l'eau, le bout de liège va laisser en suspension l'hameçon au-dessus des herbes. Et puis, le temps faisant son action sur le fil soluble, va s'en aller tout doucement et le montage va descendre tout doucement dans l'herbe pour se présenter de manière très naturelle. Avec ceci, on est quasiment certain d'avoir un montage qui pêche, même dans les grandes herbes ou les grandes algues. Sur celle-ci, par contre, je vais mettre deux bouillettes montées sur du fil soluble qui vont me permettre d'opérer un micro-amorçage ultra précis. C'est-à-dire que mon montage, une fois dans l'eau, va se présenter comme celui-ci. Les bouillettes vont se libérer puisque le fil soluble va fondre, forcément. Et la carpe va donc être attirée par trois bouillettes. Ce qui est beaucoup plus précis que de pêcher avec une seule bouillette au milieu d'un champ de bouillettes éventuellement très dispersé. Ce montage ici, en dérivation, donc tient sur le corps de ligne par une agrafe. Ici, qui permet en cours de pêche éventuellement de changer le plomb. Par contre, dans un cas particulier comme celui-ci, où en fait nous avons un plan d'eau qui est rempli d'algues, je préfère utiliser des plombs de cette forme-là, qui sont en ligne. C'est-à-dire que le corps de ligne traverse le plomb de part en part. Pourquoi ? Parce que quand mon montage va arriver dans les algues, et que je vais tirer soit parce que je ramène ma ligne, soit parce qu'il y a un poisson au bout, il va pouvoir traverser cette forêt d'algues sans jamais accrocher quoi que ce soit, ou au minimum. Alors que celui-ci va vous ramener toujours une multitude de brins au bout. De plus, l'inertie du plomb est totale. C'est-à-dire que le poisson, quand il va tester votre appât, qu'il va bouger, il va tout de suite être sur l'inertie du poids proposé. Alors que dans un cas comme celui-ci, il va pouvoir, en fait, pivoter autour du plomb, sans se piquer. Mais ceci n'est valable que sur les poissons très méfiants qui testent l'appât longuement avant d'engamer. Ici, on a de la chance, elles ont l'air d'être très peu farouches.